Coucou tout le monde, tac tac tac. Bon, là on est déjà prêt. C'était très compliqué cette nuit. Il y a énormément de bruit, il y a énormément de motos qui shout shout shout. Là on va aller visiter la mosquée bleue aujourd'hui, je pense. On va aller visiter. On va aller au McDo. Le McDo est à la lycée. On va aller manger au McDo. Ensuite, on va aller visiter la mosquée bleue. Ensuite, on va faire quoi? Oui, j'ai changé de coiffure hein, parce que je suis fatiguée de l'autre. comme je disais, petite mosquée bleue aujourd'hui. Et puis, balade. Balade, balade, on visite. Hein. On va aller au cœur parce qu'on est vraiment loin. Attendez, je vais vous montrer la vue. Enfin, si on peut appeler ça une vue. Voilà. Bon, au plus loin, on peut voir ça. Hein. Mais après... Ça va pas très loin quoi, on voit les habitants. Et comme je vous ai dit hier, on est au 7ème étage, du coup franchement ça fait grave rep. J'ai pas envie d'aller de l'autre côté et que mon téléphone tombe. On est passé par ici, on va aller prendre le métro. Oh. Moi j'ai failli tomber 20 fois dans cette ville. On va aller prendre le métro. On va aller s'aventurer dans le métro. Oh. Ici je vous explique, tout est en descente, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais grave tomber. Tout en descente, sans descente, sans monter, sans descente, sans monter. C'est vraiment quelque chose. Quoi. Et il y a des chats partout. Genre, j'ai peur des chats, mais heureusement que c'est pas une phobie. Parce que franchement, je serais devenue folle. Hein. Déjà, je deviens folle en hein, sachant que c'est même pas une phobie. Alors, il y a trop de chats. Et MTR, il y avait un chien devant le métro. Et genre, on avait peur. Donc, on a eu du mal à rentrer dans le métro et tout. Mais là. Là, on va s'aventurer dans ça. Hein. Je pense qu'on va se perdre, mais bon. C'est cool. Moi, ça me fait rire. T'as dit quoi? Viens, on va prendre là-bas déjà les tickets. This is a preview file. This is a preview file. Là, on va à Taksim. Enfin, la lumière du jour. Oh, miskin le chien par terre. Oh là là, là on va aller manger, on va aller au McDo, on va manger. Et ensuite, on va à la mosquée bleue. Voilà, ça va être ça le programme d'aujourd'hui. On va aller à la mosquée bleue, là on va aller manger, on cherche le McDo. Il est pas loin en tout cas, je sais qu'il est pas loin, mais on sait pas où. This is a preview file. Là-bas, on va marcher pour y arriver, bien sûr. Voilà. Alors ici, ça s'appelle Sultanahmet. Sultanahmet quelque chose. Il est là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada.
dans le bin. La mosquée, là. Enfin, la mosquée bleue, donc voilà. Elle s'est voilée pour rentrer dans la mosquée. Allez, viens, on y va. Donc là, on a la mosquée bleue, les gars. Des visiteurs pour visiter l'intérieur. On vient de sortir de la mosquée bleue, ce que je vous ai montré. Maintenant, on va aller à l'église Sainte-Sophie. Je trouve ça hyper joli. Oh, je trouve ça trop beau, ma Charla. Lui, il a augmenté le prix, t'as vu? Tout le monde est à 4 sauf lui. Après, je vais m'acheter du maïs sur le retour. Sur le retour, je vais m'acheter du maïs. Parce que là, puisqu'on va aller. Je sais pas si on peut la visiter, l'église Sainte-Sophie. Aujourd'hui, puisqu'il est quand même 17h ici. Donc, ça ferme tout, ferme à 17h. Et là, je sais pas si on pourra la visiter. On s'y approche. Faut qu'on fasse vite hein, parce que je sais pas si c'est encore ouvert. Hein. Parce que je vois beaucoup de gens sortir mais entrer. Ah mais c'est la sortie là je crois putain. Ah la clé elle est là-bas je crois. J'y comprends plus rien. Et à ça ils vendent ça partout, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est du pain. C'est du pain et du Nutella. Je sais pas. Là il y a des marrons, ma vie. Il y a des marrons et quoi. Et du maïs. Je vais en prendre après. Dès qu'on sort de Sainte-Sophie, je mange. Bon au final on va pas visiter l'église Sainte-Cécile. C'est pas Sainte-Cécile, c'est Sainte-Sophie. Parce qu'en fait c'est fermé. C'est pas. Bon, au final, on va pas visiter l'église Sainte-Sophie, puisque en fait ça ferme dans 1 heure. Et on s'est dit en 1 heure, on n'aura pas le temps de visiter et tout. Donc, autant là, on va aller au marché. On va aller au grand bazar. On va voir si on peut acheter des petits trucs et tout. Des petits souvenirs. Et puis voilà quoi. Les rues, elles sont hyper jolies. C'est hyper. Voilà, c'est parti. Arrête, c'est bon, merci. Voilà, mais toujours en galère dans cette rue. Ici, faut toujours monter. Tout le temps. C'est parti. On est marre. Mais regarde, c'est beau quand même, non?
Mon frère, on tourne en rond dans cette ville de... J'aime beaucoup la ville, hein. Mais depuis tout à l'heure, on voit exactement la même chose. J'ai l'impression de faire un remake. J'ai l'impression de... Quoi, là où je... N'importe où je vais, que je marche 20 minutes ou 5 minutes, je vois exactement la même chose. Mais c'est des mosquées différentes, ça. Ouais, je sais. Marche, c'est beau en plus, hein. Mais vas-y, je suis fatiguée. On voit la même chose par... Oh, le maïs. Le maïs. Le maïs. Vraiment, hein, le marché. Ouais. Donc là, on arrive au Grand Bazar d'Istanbul. C'est le plus grand marché couvert au monde. Moi, je veux trouver des porte-clés, des tasses, une gel là-bas. Et voilà, c'est ce que je veux. Oh, j'ai failli foncer dans quelqu'un. Oh là là là. Alors, je vais vous expliquer. On vient de prendre le tram. Il y avait tellement de monde. On se serait cru en France. La grève SNCF. Parce que c'était pas possible. Comment il y avait du... Oh, il y avait encore un chat. Oh, et moi, genre... oh, les chats, j'en peux plus. Il y en a partout. Et il y avait trop de monde. On a raté le tram 3 fois. C'est même pas raté parce qu'on y était. Mais il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas monter dedans. La 4e fois, Soussou m'a pris de force pour montrer dedans. Sinon, moi, ça m'avait saoulé. J'avais abandonné depuis longtemps, hein, on va pas se mentir. Et là, on rentre à l'hôtel. On va se reposer un peu. On a beaucoup marché aujourd'hui entre le bazar, la mosquée, visiter. On a bien fait les touristes. Du coup, là, on rentre à l'hôtel. Alors, c'était pas du tout prévu. On est descendu, on doit aller à l'hôtel, comme je vous ai dit. Mais c'était tellement beau, la station. On a décidé de descendre. Pour venir faire quelques photos parce que franchement, oh non, parce que d'en haut c'était trop joli. Oh là là, on va aller autre part pour voir comment c'est la vue de là-haut. Ça a l'air beau, ça a l'air plutôt joli quand même. Bon, comme on est rentré à l'hôtel, tu es KO. Je suis fatiguée. Et dire qu'on va ressortir pour aller manger, c'est complètement fatigué. On va aller manger, on va aller à Taksim, on va aller prendre le métro. On sait pas encore de quel genre de restaurant on va manger, mais on y va. Allez, on y va tout le monde, c'est parti. Soussou, tu me suis? Arrive à taxi. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un restaurant. C'est le plus gros souci. Parce qu'entre lui et moi, c'est très compliqué, hein, de se mettre là. Tout à l'heure, on est venu, mais il faisait jour. Thank you.
endroit on va manger ici. On sait pas, hein. On va voir, ça a l'air tout bon. T'es d'accord ou pas? Parce que je te sens pas emballée. Mais si tu veux pas, au final. C'est un très très mauvais choix que j'ai fait. C'est pas si bon que ça. Je pense qu'on va passer au McDo après. Demain, je laisserai Soussou. Demain, je laisse Soussou choisir. Hein. Là, je vais goûter une spécialité turque. Ça s'appelle. Du seul, c'est comment? Ça a un nom. De toute façon, on ne saurait pas le prononcer. Du coup, à ce qui paraît, c'est à base de bœuf. Et après, là, je sais pas. De quoi vous faire la On est venu acheter des chips, truc et tout. C'est hyper joli, hein. T'as déjà acheté? Combien on va acheter des macarons? On va acheter des macarons pour Soussou, mais moi j'hésite à prendre une part de gâteau. Je crois que je prends une part de gâteau. Voilà. Bon, on rentre. Là, on va se la donner. On va bien grignoter ce soir dans le lit. Là, on va se réveiller à midi. Aussi. Ouais, si on rentre à 1h, t'as cru, on est à l'armée ou quoi? On devrait pas. On rentre là, c'est cocasse tout ça. Vous... Les escaliers, toujours les escaliers, on est habitué. Les chats, toujours les chats aussi. Hein. Ils sont là. Où? Ils sont partout. Il y en avait un derrière tout à l'heure. Voilà, et tu me dis, oh mon dieu, il y en a un qui nous regarde. Mon dieu! Ouais. Regarde, franchement, si ça t'as peur des chats, toi? Si ça saute sur toi là, non, je sais pas comment tu vas te faire. Je remballe le vaisseau. Bah, c'est là le métro. Alors, comme vous le voyez, on est rentré. Je suis KO, je suis complètement fatiguée. Là, on va dormir. On a regardé un film, on a mangé, enfin, tout fait quoi, on a grignoté. Là, on va dormir. Comme aujourd'hui, on fait ce qu'on a envie quoi. Mais je pense que demain, on va aller au musée. Et puis. Fera musée, je ne sais quoi, bref. Voilà. On a des plannings, mais on sait ce qu'on veut faire, mais on fait ce en fonction, en fait. Donc, plus demain, ce qui paraît, il va pleuvoir, donc on verra. On verra comment ça se passe et tout. Bref. On va dormir. Donc, à demain. Now turn up.